Salut à tous, bande de petits sacripants, c'est Elwen et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Guild 2 Renaissance. Alors, on voit donc notre baron Tyrion Lannister qui passe en courant la mairie, devant la mairie, mais ce qui nous intéresse c'est l'intérieur de la mairie, car on se retrouve pour les élections. Donc j'ai postulé au poste de commandant suprême. Voilà, je me suis dit... Oula, ça parle bien derrière. Je me suis dit que du coup, j'allais pouvoir passer là, là, et arriver au poste tant convoité de roi. Le problème, c'est que ça m'a coûté assez cher, Ça s'est fait dans la douleur financière, hein, si je puis dire. J'ai vraiment douillé, parce que 80 000 pour être baron, ça fait mal au cul. Mais bon, maintenant je peux avoir tout un tas de commerces, voilà, c'est la régale. Alors les commerces que j'avais fait, contrebande et tout, ça... Ceux-là, c'est un peu de la merde, quoi. C'est des filous, mais c'est quand même un petit peu de la merde, ça rapporte pas des masses. Hein. Surtout comparé à la mine, qui rapporte vraiment des sommes astronomiques, avec les pierres précieuses, ça vaut pas le coup. Et qu'on sera été remporté par Elwen Lannister. Ok, donc on va passer en vitesse normale, voire même un peu rapide. Voire très rapide. Voire très très rapide. Normal, voilà. Et hop, la séance va commencer. Donc vous connaissez hein, comment ça se passe les élections. Chacun se met à son poste. Moi je suis que là, je ne suis plus en bout de table. Honorable membre du conseil. What? Passons maintenant au débat sur la charge. Ah d'accord, j'ai pas compris, je croyais que c'était elle, ma femme qui présidait. Le glorieux poste de commandant suprême. Bon, commandant suprême, je suis tout seul, hein, ça va se faire tout seul. Le candidat suivant se présente. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat pour cette voilà. charge, il ne sera pas nécessaire de procéder au vote. Merci, merci. Vous allez vite comprendre quelle grossière erreur... Excellente décision. Ouais, bon, la blague, on rigole plus, on la connaît à force. Hein. La suite de l'ordre du jour concerne le débat sur la charge suivante. On va se calmer un petit peu, peut-être. Le poste de la maréchaussée. On s'en bat un peu les couilles, en fait. Les personnes suivantes postulent à la charge de... Maréchal. Alors. Les personnes suivantes peuvent voter. Je crois que je vais pouvoir voter, je du vais coup. Vous accorder un moment de réflexion. Si je peux voter, j'accepte les bacchiches. Hein. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Je vous en Il remercie Il est temps de prendre de une décision quant à cette requête. J'aime plus... Alors What? Mm-hmm. C'est un petit peu long. Ça a bugué. Là, tout le monde hoche la tête là, mais... What the fuck? Alors là, on a assisté à un joli bug. Je sais pas trop quoi faire, les amis. Ok, c'était pas du tout prévu. C'était pas prévu du tout. En plus, le pire, c'est que le jeu continue à l'extérieur, regardez. Ouais, je sais pas trop ce que je vais faire là. Ouais. Non, là, ça a totalement bug. Bon, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve tout de suite après une petite ellipse. Un moment de réflexion. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Vous ne le regretterez pas. Il est temps pas. De prendre une décision quant à cette voilà. requête. C'est à bon. Cette requête. Requête. On est revenu à quelque chose de qui n'a pas bugué cette fois. Alors... Je m'abstiens. Là, vous voyez, j'ai pris le pack chiche. N'ayant pu être prise... Le vainqueur et sera j'ai quand désigné même, par tirage au sort j'ai quand même pu m'abstenir. Candidats. Bah, je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois, ça a totalement bugué. Merci, merci. Vous allez vite comprendre. En fait, ça a pas du compté mon vote la dernière excellente fois. Excellente décision vous avez prise. Elle refait la même blague. C'est la blague de l'ordre du jour concerne le débat la blague sur qu'il la faut faire suivante. Quand on est en conseil. L'honorable poste de consul. Pareil, je m'en bats un peu. Le candidat suivant se présente. Je vais prendre le bac chiche encore. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat pour cette ah charge, bah, inutile candidat, de prolonger carrément. Les débats. C'est Bali, je crois. Youpi! Ouais.
Passons maintenant au débat sur la charge suivante. Je vais le bannir lui suivante. Si même trop, ça me saoulait. La charge de propriétaire terrien. Ah j'aurais dû. Ouais non, merde, je peux plus le bannir en plus. Personne suivante postule à la charge de. Alors là il y a. Les personnes suivantes peuvent voter. On va se mettre en mode lent parce que là c'est intéressant parce qu'il y a ma non mon autre belle-fille. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez toujours être utile au conseil? Moi je devrais avoir trouvé là. Car sinon vous allez tous le regretter. Ah, elle est pas contente. Elle ouvre bien grand sa bouche là. Mais tais-toi, mais tais-toi. Je vais vous accorder un moment de réflexion. Alors. Allez. Allez, allez. Ça va être à moi de voter. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Quelle impudence! C'est quelqu'un. Quelqu'un vous menace. Quelqu'un vous menace. Il est temps de prendre une décision quelqu'un quant à cette requête. Alors, dépêchons-nous. Tac. Et ouais. J'ai une majorité au conseil, je suis obligé de gagner. Je vous remercie de votre confiance. Passons maintenant au débat sur la charge suivante. On accélère un petit peu. Le divertissant poste de bourreau. Je crois qu'il y a les personne de ma famille qui postule, donc en fait j'ai pas pu, j'aurais pu postuler avec ma nouvelle belle-fille, mais les personnes suivantes peuvent voter. Le truc c'est que j'avais pas assez d'argent dans mon compte en banque après avoir payé le rang de baron, du coup bah j'ai pas pu postuler avec elle, c'est un petit peu bête. Quelqu'un essaie de vous donc je vais accepter. Hein. Oh, du calme. Comme c'est gentil de passons simplement au vote. Merci de tout cœur. J'accepte. Vous ne le regretterez pas. Et je m'abstiens. Hashtag pute. je m'abstiens. Voilà. Je ah merde. Les résultats ah non, de l'élection. J'aurais dû voter contre. Nous avons un nouveau conseiller. Félicitations. Ah j'ai merdé là. Bon j'ai merdé, c'est pas grave. Oh je vais me ramasser 15 000 quand même. Je suis enfin arrivé. Mes chers amis, je vous remercie de m'avoir consacré votre temps si précieux. La séance est levée. Et voilà, fin de l'élection. Vous prenez votre siège au conseil. Je m'en suis bien sorti encore une fois. Hop, on va réduire. Donc là, je m'en suis plutôt bien sorti quand même. Donc là, je suis commandant suprême. Donc lui, il est consul. Elle est bourreau, évêque, etc. Donc ils sont un peu... Je crois qu'il y a à peu près tout le monde, tous ceux qui peuvent être dans l'appareil, le son, là. Donc enfin, eux vont devoir monter. C'est un petit peu problématique. Il va falloir que je m'en occupe. Je vais regarder un peu mes nouvelles prérogatives. Alors, entraîner... Vous entraînez vous-même. Confiscation de marchandises. Rage. Garde de la mine, c'est parce que j'ai la mine. Condamnation. Contamination de puits. C'est quoi ça, contamination de puits? Je sais pas du tout ce que c'est. Structure de commandement améliorée. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, on va regarder. J'ai pas de nouveau bâtiment. Attendez, on va aller dans le bâtiment public. Alors voilà, j'ai que ça en bâtiment public. Donc, je sais pas trop à quoi ça va faire. Ça va me servir. Je vais postuler. La charge est occupée. Bah oui. Évidemment que la charge est occupée. Ils sont cons, ouais. Ah, d'accord. Faut que je la tue. Faut que je la tue, donc. Bon, bah je crois qu'on a trouvé le but de notre prochain épisode. Je vais pas la tuer, là, comme ça. Ça va demander, je pense, un petit peu de préparation, quand même. Pour pouvoir la tuer, donc bah voilà, apparemment pour y arriver il faut pouvoir la tuer. Donc il faut être suffisamment fort pour y arriver. Donc là ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Donc on a propriétaire terrien, ce qui est bien, c'est qu'on reste là, donc on verrouille un peu le truc. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut me faire? Ouais.
Jeter un faux gant, je crois que c'est quelque chose par rapport à un duel. Hein. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je voulais vous montrer un autre truc. On va... Un accord vient d'être convenu, entraînant l'application de nouveaux droits sous cette charte. Ok. Alors moi ce que je voulais faire c'était là. Voilà, donc c'est remettre ma femme au boulot. Au travail. Elle on va la faire. C'est vraiment nul hein, filou, j'ai rien, je vais la faire mendier ici. Quoique, stop. Il y a un problème? Oui, il y a un petit problème, tu reviens ici toi. Oui, la victoire est... Attendez, elle va revenir, je vais la faire postuler en fait à un poste, je suis con. Honneur et gloire. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. C'est quoi le prochain rang du coup? Conteste. Ok, c'est 150 000 carrément. On va faire juste postuler un siège, on va postuler au siège de bourreau pendant que c'est encore possible de le faire, avant qu'il n'y ait plus de place. Voici ma candidature à une charge. Merci de la transmettre. Et voilà, nickel. Le conseil municipal se réunira bientôt pour discuter du siège vacant. Soyez à l'heure. Voilà. Et avec lui, du coup, on va se tenter de faire un petit truc. Je le mets ici. Pourquoi. On va juste l'amener là. Allez, dépêche-toi. En plus, c'est le soir. Hop. Donc va falloir tuer le souverain pour prendre sa place. Alors là je sais vraiment pas comment je vais m'y prendre. L'attaquer en justice. Sinon vous savez, j'ai une idée. Ah j'ai une idée, elle est peut-être excellente. Vous savez, il y a des choses qui notamment ici permettent. Alors, quels sont... Alors voilà, ça permet d'être de faire croire qu'on est coupable de rien. Il y a deux personnes désagréables. Prise de bec aura lieu, voilà. Donc ça c'est tous des trucs qui servent à ça, mais. Attendez, je vais vous montrer ici. Il me semble que c'est là. Je fais pas de bêtises, c'est pas ça. Poison pour armes. D'accord, ça c'est juste pour faire chier les autres. Ça, c'est pour faire une invocation, j'ai jamais testé de faire une invocation. Non, alors c'est peut-être dans le cimetière, du coup on avait trouvé ça. Alors déjà il y a le cimetière ici, je suis sûr qu'il fait un truc qu'on avait vu. Ensorceler un bâtiment, c'est sympa. Je vais le débloquer, j'ai pas vu. Je vais pas débloquer ça du tout. Ok, bon bah cool. Non, c'était autre chose, c'était... Robe de sorcier. Voilà, ça permet de réduire leur espérance de vie. Donc si j'en utilise masse sur les ennemis, normalement ça permettra de bien réduire leur espérance de vie. On est d'accord. On est d'accord. Ça pourrait être une méthode. Ensuite, je crois qu'il y avait que ça ici. Hein, c'est pour falsifier les preuves. Voilà. C'était pour ça. Ensuite, il y avait quoi? Il y a l'hôpital ici. On perdait bien. C'est là. C'est mixture secrète. Alors, la mixture secrète se fabrique en combinant des échantillons venant de porteurs de maladies diverses. Si la fiole se brise... ou est endommagé, son porteur est perdu. Une seule goutte de cette abominable mixture suffit à donner une terrible maladie à une Votre personne. Enfant peut commencer un apprentissage. Alors, il faut du brouillard spectral, il faut des excréments de crapaud, il faut de la bave de crapaud. Hein, c'est toutes des choses que je peux produire via mon alchimisme, etc. Normalement, ça peut se faire, donc je peux en faire. Et du coup, une terrible maladie à la personne. Donc l'intérêt, c'est que si je mets ça sur la personne,
et que je ne la soigne pas, elle devrait mourir. Vous me suivez, là, vous comprenez un peu ce que je veux faire. Donc, si j'arrive à inoculer cette maladie à la reine, qui m'a quand même volé ma place, dit en passant, donc c'est légitime, je reprends ma place, hein, y a rien de méchant là-dedans, de voilà, c'est tout. Je suis le souverain de droit, comme c'était moi à la base, et comme j'avais pas le titre, je me suis fait baiser. Donc du coup, elle va y passer. Enfin, tôt ou tard, elle va y passer. Et une fois qu'elle est morte, moi je postule, d'accord? Alors, il faut partir du principe que moi je meurs pas. Et justement, je vais vous montrer, j'avais déjà préparé un petit truc. Voilà. Alors, on va y aller. Donc, vous voyez là, j'ai des potions de Faust. J'en ai 32. Je sais pas si je peux en mettre autant sur le personnage. Non, j'en mets 3. Donc du coup, ce que je fais avec mon personnage, c'est... Alors, je sais pas comment ça marche, mais alors, pas du tout. Ça sert à quoi, ça? Avoir une vision. Je m'en balèque. Alliage Caest. Il va la boire. Il va décéder dans d'atroces souffrances, ce truc. On va regarder sa bougie. Normalement, ça devrait augmenter. L'élixir fonctionne. Ça va augmenter. Wow, ça, apparemment ça a augmenté un petit peu. Je peux en utiliser donc toutes les 23 heures. Donc le but c'est que je vais en boire comme ça pour être immortel en fait simplement. Ça, je vais être immortel. Bon après il faut pas que je me fasse tataner. Mais normalement si j'en bois tout le temps, je devrais être immortel. Alors attendez, ma femme avait une plus grosse. A toujours une plus grosse que moi. Enfin, une plus grosse bougie que moi bien sûr. J'allais pas croire. Je parle d'autre chose. Non, non, je pense que je peux le faire vivre plus longtemps. Il a 48 ans, mais il est déjà un peu en fin de vie. Il peut prétendre au niveau impérial, structure de commandement améliorée. Ah d'accord, c'était ça le bonus. Alors je pense que c'est pas mal. Je vais essayer de préparer mon poison pour avoir l'autre. Ou sinon, bah, à l'ancienne, hein, on l'attrape, on la tatane. On l'attrape et on la tatane. Le problème, c'est que... What? On est où là en fait? En fait on est où là? D'accord. On est dans cette cabane là. Et elle est enceinte? Non, elle est enceinte. Ah mais du coup si elle meurt ça va être sa fille qui va... Oh la galère! Ah, y a pas de choix, hein. Y a pas de choix. Est-ce que je peux... C'est un gros bâtard. Ah oui, mais ils dorment tous. Forcément, je suis tombé sur une équipe de branlots. Alors, on va imaginer... Je suis armé. Quel est le plan? Pas de problème. Oh, ils peuvent venir. Ils peuvent vraiment venir. Attendez. C'est là, moi, je la tatane dans son sommeil et pas besoin de l'empoisonner ni rien. On va tester ça. Si ça marche pas, on fera d'accord. Le poison. On se la fait à l'ancienne. Hein. Le poison, je l'utiliserai quand même dans un autre. Alors là, les voleurs, ils dorment, voilà. Paye tes employés, merdique. Ah voilà, eux, ils dorment pas. D'accord, oui. D'accord, elle est totalement buggée, en fait. Elle reçoit un traitement depuis je sais pas combien de temps. En fait, je crois qu'elle travaille dans mon hôpital, ça a fait un sorte de truc un peu chelou. Vous voyez, les brutes qui rentrent chez elle, c'est sans pitié. Voilà, il rentre se lever, ça va partir en freestyle baston. Hein. Je veux piller. Et en plus il déconne pas, hein. Elle, je sais pas si elle va faire le poids, mais en vrai. Elle a pas le niveau, elle va se faire tataner. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle court. On a tous les mécréants du secteur qui se sont dit. Il la regarde, elle le regarde. On faut tous les buter, hein, on n'a pas le choix. Regardez le débarquement qu'il y a chez elle.
Mais qu'est-ce que vous branlez, les gars? Oui. Allez, ça c'est fou. Hein. J'essaie de l'attaquer. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Quel est le plan? Regardez, on a tout. Hein. C'est une blague. Sérieusement. Retirons-nous dans notre belle chambre à coucher. Non, 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 ils vont pas faire ça, ils vont pas oser. Quoi de neuf? Cela me va. Mais elle est déjà enceinte. What? Vous êtes le seul à mes yeux. Et si nous passions à une autre étape de notre amour dans la chambre, ensemble? Alors, concrètement, on a une dizaine de bonhommes qui sont venus les tataner, et eux ils vont se dire, allez, allez viens, on va baiser. Allez viens dans la chambre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'était le pire coup fourré du monde celui-là. Non, c'est une blague. Mais en plus elle est déjà enceinte. Bah oui, mais c'est normal. T'es déjà enceinte, tu vas déjà avoir un enfant, toi, c'est le principe. Non. Et attendez. Lui je peux l'attaquer. Ah ça marche. Que dalle. Ils sont sortis de la maison. Votre charge est en danger. Ouais, non, c'est... Allons-y. Totalement n'importe quoi, là. Là, on a un stade de n'importe quoi quantisme. Alors là, elle est couchée, regardez, pourtant. J'écoute. Lui va faire la prière. On va faire la messe. Hein. Pour Alex, Alia, Jacta Est. Où se cache l'ennemi? Pas du tout. Regardez ça. En fait, elle se relève à chaque fois. Du coup, comme elle est relevée. Accepteriez-vous de venir avec moi dans notre chambre, mon trésor, pour que nous puissions bon. Changement de plan, les gars. Où se cache l'ennemi? On va poser une putain de bombe. Changement de plan les gars, on va poser une putain de bombe chez eux. Eux ils peuvent pas le faire, faut que je trouve la bonne maison. Voilà, eux ils peuvent le faire normalement, on va mettre une putain de bombe enflammée. Pas de problème. Dans leur baraque. On va voir ce qu'elle fait. Il y a les gardes, je vais me faire choper c'est sûr. Quoique... Attendez, attendez, hop, qu'est-ce qui se passe? Puis-je aider? Ah oui, ils ont tous été éjectés dehors. Ok, elle est dans la maison au feu, au calme. Au calmitus. Pour l'honneur. Je vais pas attaquer avec elle, je suis pas fou. Où dois-je attaquer? Où est-ce qu'elle va? Oh, attendez, il y a des gardes qui commencent à se fight. Attendez, c'est un bordel pas possible, je suppose, là. Les mecs se sont battus ou pas? Quoi de neuf? Une menace contre vous n'a plus lieu d'être. Une menace contre vous n'a plus lieu d'être. Attendez. Je comprends rien du tout, là. Elle est où? Ah bah, elle est là. Stop! Attends, on va prendre tous les mecs du coin. On va essayer de la tataner, mais je pense que ça va échouer. Si vous le dites... Elle est en plein milieu de la ville. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux pas la tirer, en fait, dans un endroit, ni... Chez elle, je peux pas la frapper. Il aurait fallu peut-être que je l'invite au bain, etc. Que je lui fasse un coup comme bon, ça. D'accord.
Attendez, on va tous les prendre, eux. Tous les trains de savates du coin. Si vous le dites. Plus il me coûte cher, il ne me rapporte rien, donc de toute manière. It's a trap, motherfucker. It's a trap. Bon, d'accord. D'accord. Mais ça va être la boulette du siècle. Où est la marchandise? Elle s'enfuit, elle court. Putain, il y a les gardes qui vont partout, c'est n'importe. Nawek. Elle est où? Attendez, il y a des mecs qui tombent là. J'allais tomber, on sait pas pourquoi. Voilà, baston. Je veux piller. Allons-y. Je peux rien faire contre les baillis. Ouh. Ouh, elle a pris son petit coup, comme les autres. Qu'est-ce qui se passe là? On va se mettre en vitesse un peu plus normal. Attendez là, qu'est-ce qui se passe? Putain de massacre. Elle a pris cher quand même, elle a pris cher. Oh, mais c'est presque joli ce que je fais. Je vais peut-être y arriver, attendez. Je pensais pas du tout y arriver. On va remettre un petit coup de recrutement. Parce que là, j'en ai perdu beaucoup. Allez. Alors là déjà, j'ai du monde. Bon, d'accord. Si vous alors ouais, effectivement, les brutes, je pense que c'est pas les plus adaptés pour ce fight. Pas de problème. Ils prennent un petit peu cher rapidement. Bon, le mieux, ça reste les mecs, les mercenaires et tout ça. Alors eux, ils se battent. Quel est le problème? Eux ils se battent. Oui. Alors eux ils se battent pas par contre. Ils se sont dit nous on y va pas. On s'en fout, on y va pas. Pas on de problème. On se cache sous les vents. Bref, eux ils se sont dit on y va pas. Eux. Ok, on court trop bandit, on s'en bat les steaks hein, les mecs. C'est la boulette hein, c'est la boulette. Oh moi je m'en fous hein, vous savez je suis prêt à tout pour... Quel est le problème? Je suis prêt à tout là. On va carrément y aller par l'onglet politique. Ce sera plus simple, sinon on voit plus rien de ce qui se passe en bas. Je pense que je vais l'avoir et ça va être beau. Hein. Ça va être très très beau. Il faut juste que j'ai un homme pour la tuer quand il faudra, c'est-à-dire au bon moment. Là, voilà. En fait, il faut une brute ou il faut être... Ah, attendez. Stop, elle est tombée. It's done. Down is down. Elle a pas survécu au... Attendez, il m'en faut un qui puisse l'achever. Elle peut l'achever normalement. Ça va être beau, regardez. Ça va être beau. La victoire est à nous. Allez, vas-y, bouge-toi. Putain, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Là, regardez, regardez, regardez. Vous venez de commettre un meurtre. Oula, c'est le bordel. La reine c'est le est morte. Vous la reine est morte. Votre siège au conseil. Yeah. C'est elle qui a pris sa place. N'importe quoi. C'est moi le king là. Calmez-vous maintenant. J'appelle la garde royale. MDR. La production est interrompue. On va se tirer. Vite, dans notre maison. C'était n'importe quoi. J'avais prévu tout un plan pour l'empoisonner. Finalement, c'est totalement parti en steak, les gars.
c'était pas du tout prévu, c'est bon totalement plan. Parti en steak. En plus, c'est même pas lui qui se retrouve chef, c'est elle. Oh, ce bordel. C'est elle la reine, c'est inattendu. C'est-à-dire que c'est ma belle-fille qui est même pas de la famille, qui s'est retrouvée reine. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais bon, oh, franchement, c'est marrant. Je suis tapé une énorme barre, franchement. Attendez, on va voir ce qui se passe là. Mais franchement, les mercenaires, j'ai bien fait de les recruter, parce que regardez-moi ça. Ils sont énormes. Ils sont simplement énormes. Franchement, ils mettent des putains de taquets au mec. Et regardez, j'ai appelé la garde royale, ça ne me sert strictement à rien. Je sais pas comment les contrôler. Ils sont juste là. Voilà. Et la garde royale. Et ils sont sacrément balèzes. Ils sont sacrément balèzes. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas les commander. Alors, effectivement, tout ça. Bon, on verra ce qu'on peut faire de ça. Là, franchement, c'était inattendu, donc on va se terminer là-dessus. Franchement, ça faisait grave plaisir cet épisode. C'était du n'importe quoi. C'était du bon The Guild 2 comme on aime. Le voir là, je pense que honnêtement, je me suis vraiment bien débrouillé en récupérant comme ça le poste de roi. Alors, je savais pas du tout qu'en le tuant, en fait, on devenait roi, que c'était le seul moyen. Bah voilà, maintenant je le sais. C'est comme ça. Le poste de souverain, j'aimerais bien que personne l'ait, parce que bannir les gens, c'est chaud quand même. J'ai pas envie de me faire bannir. Donc voilà, on va voir ça au prochain épisode. Si vous avez kiffé cet épisode totalement n'importe quoi, what the fuck, lâchez un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Voilà, c'est important que je vous le dise tout le temps pour moi, pour la chaîne, pour les vidéos, pour le jeu, etc. Donc pensez à le faire, ça fera vraiment, vraiment très plaisir. Lâchez un petit commentaire pour me dire que vous avez aimé, pas aimé, pour discuter tout simplement. Voilà, je suis toujours dispo. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je réponds assez rapidement aux messages, donc il n'y a pas de souci, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et je vous dis...